Mais qui joue ouais? Est-ce que la grossi, est-ce qu'il y a plus de monde qui vient? Comment ouais yo? Nous t'étant bien hostile face à la police, face à la commissaire gouvernement. Est-ce que vous calmez ou non on a parlé à là? Non, pas de calme. Pas de calme de la joue de temps en temps. Donc si on les a monté dans le mitre, voilà, nous t'es chinois là. Voilà, merci en fil Georges Joatine qui lui-même présent là au niveau de parquet capital là. Nous connaissons aujourd'hui à la commissaire gouvernement Port-au-Prince là convoqué docteur Achille Lidor pour venir répondre une question suite à déclaration qu'il a faite publiquement côté commissaire là dans déclaration ça comme incitation à la violence. Il parle pour venir répondre une question sur dossier ça, pas oublier déclaration ça fait dans cadre 17 octobre là. 17 octobre nous connaît qui lui-même 17 octobre côté gain manifestation qui lui-même doit faire dans la rue dans capital là. Est-ce que dimanche lui-même il présent, est-ce que dimanche gomba il peut l'ajouter? Pas oublier c'est Georges Fortuné et puis dimanche qui présent au niveau de parquet Port-au-Prince. Nous pas regarder ce qui ça dimanche lui-même il gain pour le dire nous. Bon, faut marquer aussi j'ai changé pour matin oui. Nous pas avec dimanche qui parle dit nous lui-même qui côté lié dans parquet qui ça déjà ouais qui est-ce que le sillonné en dedans déjà nous pas information ça avec dimanche comment ça y est bon côté pour bonjour René, bonjour Stéphane, bonjour tout le monde de Venetio et c'est un plaisir pour nous la caillou nous trouvons au niveau de parquet de Port-au-Prince à côté que nous avons dit jeudi et parquet qui invité et docteur Achille Lidor pour lui-même n'est capable de dimanche dimanche. Alors, je fais nous vivre à deux reprises là qui j'en saillent, nous parler avec des députés qui présents, nous parler avec Dr. Achille Lidor, nous parler avec quelques monde qui réagit, nous t'aider yo même yo très hostile envers le commissaire gouvernement, yo hostile envers la police, nous même ou même notre point pour là côté il y a qui ça qui gagne, qui sont capables dit auditoire là. Moi dans carré paquet et Andri carré et commissaire du gouvernement et côté que dans moment on a parlé ensemble avec là et commissaire là lui-même qui poko est présent et nous constater gain et nettoyage qu'a fait même niveau bureau et commissaire là ensuite nous gain ensemble avec nous là et sénateur Nenel Kassi ensuite et puis nous gain tout et monsieur Anthony Babier et nous gain tout député Yonna Dirigeant Camille Lavalas que nous était là. Nous allons parler avec le sénateur Nenel Kassi, lui-même qui parle de nous, et lui-même, comment lui-même il concevoir la convocation. Sénateur Nenel Kassi, vous dire qu'à ce zénith, est-ce que vous êtes capable de nous, comment vous-même vous concevoir la convocation? Nous connaissons, dans le moment qu'il a parlé là, que Haïtien focus au 17 octobre. Monsieur Pouvoir, il a fait tout ça possible pour eux, de cadeau retirer la caméra sur le 17 octobre. Pour mettre sous de l'autre préoccupation. Et je dis, on croit démarche commissaire, et son démarche qui est faite sous l'ordre du président Jovenel, sous l'ordre du premier ministre, et pour comment il est capable de créer un climat d'intimidation et répression. Mais on croit que les Haïtiens ne prennent pas ça. Et c'est ça que faut voir aujourd'hui. Même là, ils prennent de façon improvisée, au cas où ils s'agrèdent d'ailleurs, et côté peuple à répondre. Même que le peuple a continué à descendre, je veux dire. Et par contre, qui ça, commissaire Abraël dit avec les Haïtiens qui devant paquet là. Et nous croyons, on l'autre fois encore, pour voir la police du peuple dans Nishmi. Et s'il continue à aller dans ce sens qu'il va aller, bon, c'est que ça, par contre, on comment faire à pied. Peut-être que c'est eux-mêmes qui sont capables de prévoir comment ça finit. Mais je veux dire, nous avons dit, Haïtien, mais sous deux pieds de guerre. Et la bataille, on est cadeau jusqu'à la victoire finale.
que convocation c'est sous l'ordre du président Jovenel avec le premier ministre. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de famille Laval, on met ça dans le cadre de la persécution politique? C'est persécution politique même. Pour craper les peuples haïtiens, pour gâter le cadeau 17 octobre, là, et voulez ou pas voulez, faites ça, faites. Parce que c'est le peuple haïtien qui mobilise, c'est pas nous-mêmes. C'est retenir population mobilisée dans tout compartiment, dans tout côté passé là, dans le quartier populaire, dans le ghetto, dans la commune, dans le département, dans toute zone, dans l'école, dans l'église. Vous ne pouvez pas parler du 17 octobre. 17 octobre, ça qui ça l'a pillé. Et qui ça doit faire pour 17 octobre là, nous sommes jour côté tout le peuple haïtien, réjouis. Et c'est dans ce sens nous avons souhaité l'autorité qui l'a eu. Il fait prévention, pas prévention, non fait répression, non fait intimidation, non fait invitation droite et gauche. Et pas ça demander. Ça demander, c'est faire des préventions. Est-ce que je ne dis à Jovenel, qui n'a pas les nationales, qui est capable de mener back pays, nous constater ce qui a passé là. Nous sommes pour un tremblement de terre là. Il y a environ quelques monde qui mourent et quelques blessés. Nous voyons qu'il n'y a pas de capacité pour nous répondre. Alors que Jovenel est devant l'ONU. Il te dit qu'il préparait pour n'importe catastrophe naturelle. Ça veut dire, je veux dire, on l'autre fois encore, on croit que c'est jeunesse pays, c'est tout citoyen conséquent dans le pays qui peut continuer par responsabilité, étudiant, tout le monde, paysan, un peu partout, chauffeur moto, tout le monde, syndicat, nous avons constaté que ouvriers n'ont pas satisfait des cadeaux d'ajustement salaire qui ont fait couler. Ça veut dire, on veut qu'il y ait une situation misérable. Il n'y a pas une condition de cadeau de travail qui est approprié avec ça et le monde. Ça veut dire, par rapport avec tout ça, je ne veux dire, les peuples haïtiens, ils vivent dans une phase où vraiment soulever. Et soulèvement, li inévitable. Et moi, c'est ça, Chile te dit. Chile te dit que par rapport avec les conditions qui peuvent s'en vivre là, j'en pourrais ça abgérer les peuples, ils attendent à n'importe qui bagaille. N'importe bagaille qui arrive dans le pays ça. C'est son baril pour le chida là. Ça veut dire n'importe bagaille qui a passé, et c'est dans ce sens-là, on a exhorté tout le monde, opinion nationale et internationale, situation a commencé à dégénérer. Il a commencé à dégénérer. Hier après-midi, nous n'avons pas passé le théâtre national. C'était le groupe armé qui a affronté l'un avec l'autre. Ça veut dire nous en pleine guerre civile. Ça veut dire c'est des civils qui sont armés qui ont boumé avec l'autre civil qui est armé. Et qui ça pouvoir qu'a fait? Pas qu'a fait rien. Donc, journée aujourd'hui, responsabilité, n'est pas sous dos, mon cap dirige le pays, n'est pas sous dos, Jovenel, n'est pas sous dos. Si on a toujours dit ça, c'est que responsabilité à journée aujourd'hui, c'est peuple haïtien pour prendre, et c'est jeunesse pays, et c'est tout le monde conséquent, tout le monde qui croit dans l'autre pays, et qui a bataille pour une nouvelle constitution, pour une chitatin des nationales, et c'est mon sac de mes têtes ensemble. Et normalement, nous parlons de parler avec M. Anthony Babi. M. Anthony Babi, on a carré et commissaire du gouvernement. Alors, qui ça, qui ça veut dire? Bon, ça veut dire que faut nous bâillons appui à un citoyen que le commissaire a convoqué, mais l'on démarche d'intimidation pour faire la paix par rapport à 17 octobre qui est annoncé. Nous le disons, nous là, pour nous appuyer nous à Dr. Chile Ludo, qui est mon camarade, qui est mon militant, qui est engagé. Donc, il a fait convocation droite et gauche pour qu'il ait intimidé les populations. Mais non, il est clair, le sous-gâté alors pour les populations. Pas intimidé, tellement pas intimidé, mais la population va le pire. Parce que pays noir, l'on trouve pour nous mettre le dehors, et pour nous mettre le dehors, ce n'est pas des gens qui mettent le dehors, c'est plutôt ensemble pour camper, pour nous mettre le dehors. Donc, ce n'est pas des intimidations, commissaire, qui a fait nous camper sous démarche pour que nous devons prendre pour nous sortir pays nous dans tout côté de dimanche, est-ce que jusqu'à présent... À la mobilisation du 17 octobre-là, et nous-mêmes, nous espérons que et ça va être un véritable détention, côté que... Pays absolu le tout, le, en même temps, nous avons mobilisé toute population, mais nous avons organisé
toute force organisée pour que nous-mêmes définissions qui pays nous voulons et qui gens nous voulons. Donc, ça nous dit, nous avons des problèmes pour nous résoudre et c'est pour nous résoudre. Nous avons des problèmes nationaux pour nous résoudre à travers la conférence nationale là, et nous avons des problèmes réforme l'État pour nous faire ou l'autre État pour nous créer qu'on a le besoin. Mais pour nous faire ça, la population est mobilisée. Merci. Et normalement, et si Dieu nous a dit, c'est quoi ça, ça est au niveau de Casier et commissaire du gouvernement, nous toujours sous place en cas où il y a une information. Allô, dimanche. Et dimanche, qui te dit nous, nous avons commencé à, jusqu'à présent 10h30, commissaire gouvernement Port-au-Prince-là. Donc, nous avons clamé d'Améus pour qu'au présent, dans le parquet Port-au-Prince, côté, lui convoquer Dr. Sheila Ludo pour 10h30 et jusqu'à présent, pour qu'au présent, c'est le monde qui a fait le travail qui l'a, qui a pris nettoyer le bureau qui est présent, mais commissaire gouvernement pour qu'au présent. Parallèlement, il y a un plein à deux mondes qui ont même accompagné Dr. Sheila Ludo et il y a Georges Fortuné qui lui-même t'a parlé nous, de député première circonscription pour Port-au-Prince-là, Roger Milien, député troisième circonscription pour Port-au-Prince-là, Printemps Bélisère, il y a tout député Cabaret à Joseph Manès, lui, il parlait de ancien sénateur Yvon Feuillet, il y a tout sénateur Nenel Kassi pour département NIP qui est lui-même présent, il y a tout sénateur Ricard Pierre, département Sud-Est qui est présent, il y a tout ancien ministre Marjo Michel qui est présent, ancien secrétaire général Palais National, sous Jocelyn Privert, Anthony Barbier qui est présent, sans côté divers mondes qui sont même tout présents pour accompagner Dr. Sheila Ludo dans le cadre de convocation. Ça, il n'y a pas avocat. Et pour nous parler des avocats, c'est Maître Dieu-Seul Simon Dira, Maître Maisonneuve, gagne tout, Gervais Charles, gagne tout, Maître Axel Joseph qui eux-mêmes a accompagné Docteur Ludo comme avocat et Gepi Fola de Rokidou, par exemple Roger Milien Dou, si on mandat de dépôt, il parler avec Docteur Ludo, il est clair sous ça. Docteur Ludo lui-même il dit que les Georges Fortuné te mandé et si commissaire gouvernement ta mette un mandat de dépôt ta Kimbel qui ça l'a fait il dit commissaire pas gagne zin ça nan men. Il va commencer comment hier? Il va gagne zin ça nan men. Docteur Sheila Ludo, il va gagne zin ça nan men. Commissaire gouvernement pas gagne zin ça nan men. Non, alors bulle temps pour finir même faut commenter. Il va pas finir, on international. Mais tu alors quoi une chose spécial matin. C'est très très spécial. Très spécial mais bon on a plein spécial net et nous ça qui a là. Ça fait bala. Il y a le côté solidarité à docteur Ludo. Parce que c'est secteur, c'est la convocation. Oui. Par exemple, combien de temps tu vas te balader chez les déchirés? Pas vrai ça. Ça, c'est pas de la parler, pas trop, c'est trop. C'est pas une insulte, fait qu'elle est venue à lui. Bah ça, pour nous, en tout cas, c'est solidarité au pouvoir. Le secteur démocratique, il faut très démocratique. Il y a avec lui. Yo avec lui dans ça, donc yo pote solidarité, nous gagne avec nous gagne collaborateur nous Georges Fortuné qui sous place, nous gagne collaborateur nous Robert Dimanche qui yo même tout sous place pour capable permettre nous vivre comment ça y est, pas oublier jusqu'à présent docteur Sheila Ludo là, mais Oknam Clamedameus pas présent. Nous parler avec Deracy mon Dieu seul qui lui-même c'est une avocat docteur Sheila Ludo dans cadre dossier ça. Donc mettre de là nous content que on a une émission prématinale d'ailleurs une émission spéciale. D'accord, et va saluer l'Uni, et va saluer Saint-Tour, et tout le monde l'a dit, et tout le monde qui sont en console là, nous saluera, et auditeurs qui étaient notre radio de Vézénitio. Et c'est, je vais parler trois sous, on tire remarque que Denel Saint-Tour fait faire, qui dit secteur sur secteur démocratique, pour que comporter un démocrate. Eh bien, c'est justement parce que nous voulons comporter un démocrate qui fait que ça a fait là, là, je dis, il n'y a pas de droit là-dedans. Parce que c'est une convocation pour nous demander une remise. Remise là, c'est au nom de la loi que nous demandons remise là, article 104, dans la loi 22 août 95 là. Nous demandons remise à la huitaine. Commissaire à contrôle, ils sont préfets, ils sont gros poignettes, et ils vraiment représentent le visage du gouvernement dictateur, dictatorial, c'est police là, parce que la loi, ce n'est pas nos états de droit, nous laissons nos états de droit, l'homme de remise là, lit de fait. Doit accepter et commissaire fixer nouvelle date. Il voit nous demander remise à l'ignorer. Il recevoir, il a fait réception, mais il ignore qu'il demande de remise. Il revoyons l'autre ministre et commissaire présenté à 10h30. Mais maintenant, dis-nous, le commissaire a invité aux citoyens, son pouvoir zélé. Citoyen a le droit d'aller, il a le
aller et commissaire a assez matière pour poursuivre. Si le commissaire a été pour monter, il a poursuivi, il fait réquisitoire, il voit le dossier à la cour ordinaire directement. Si la poursuivre pour crime, il voit le cabinet de discussion directement. Mais en aucun cas, le commissaire n'a pas émettre mandat d'amener des types à gagner et faire grand délit. En aucun cas, il va émettre mandat d'aller. Article 22 et suivant pour destruction criminelle. Maintenant, je vais aller plus loin pour me dire que ça a fait là aujourd'hui. Il y a une violation de l'article 28 de la Constitution qui dit que tout le monde a liberté d'expression. Je viens de l'exprimer aux gens. Maintenant, sujet, on regarde le sujet du commissaire gouvernement pour incitation, à la violence, etc. Dans le même moment, il y a un code pénal ou un code qui s'agit comme document légal. Son crime ou bien son délit ou bien son contravention, par contre, qui s'allie, mais ça va exister dans le loi New York. Parce que c'est pas quand même du conseil du gouvernement CNG, et comme si les militaires voulaient arrêter le monde, je dis que, et vous faites ça sans la vue. Mais tout le bagage ça, tout est fort fait sur ça, il y a passé notre figure CSPJ, il y a passé notre figure Seyan, Jean-Henri, qui a entré, je dis, à nos gouvernements, et ce gouvernement-là qui a persécuté politiquement. Moi, il est persécuté. Parce que ça a fait la bague en droit et m'ont démonté et ça a fait la légalement et m'a été fiat qui aucun autre monde a supporté pour faire ça. Malheureusement, ma fédération a toujours été silencieux, même dans le séminaire, même dans les corps qui a fait ou pas dans ce style dérive dans le système. Non, il est juste toléré. Donc, moi-même, je voulais juste dire que ce n'est pas démocrate, Non, au contraire, nous respectons la loi, c'est parce que nous respectons la loi nous-mêmes. Nous avons dit que le commissaire Salafia, par la loi, c'est gros moyen, c'est à cette préfecture, à laquelle elle est décédée à la brigue là. Parce que si c'était la loi, c'est cette question. Ministre Déa. Article 6.1 et loi qui. Excusez-moi, article 104 et loi 22 ou 95 ans, le ministre est obligé d'accepter. Et dans le contexte de ce qui est là, je dis que le droit de défendre est un droit sacré. L'envoyé est l'homme. Pour pouvoir nous demander autant, moi-même, pour me faire un travail, pour me faire un défense, mais si je suis là, je vais avocat, comme ça, je vais attendre le nom. Ministre, je vais attendre le nom parce que on a dit article 25.1 Constitution. Personne n'a le droit de dérouiller personne sans présence avocale. Si tu as présenté sans avocat, quand nous faisons M. Pavéa, nous prenons le temps pour nous dire que ça l'a fait à son bagage préfecture qu'il a fait. Et malheureusement, mon gouvernement a déjà décrié dans l'état de crier. Il n'y a pas rien de ce point pour mon accepter. Et je dis encore, on affiche une image de violation de droits humains avec des non-panons états de droit, non états dictatorial. Gouvernement, c'est un là, son gouvernement dictatorial parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Si c'est un état de droit, l'état doit accepter que nous demandons remise parce que le droit de défense est un droit sacré. Ministre, sous point ça, bon, vous intervenez sous ce remarque que je vais faire. Et moi pas avocat et moi pas capable de dire entrer dans débat de dire juridique avec vous sous approche qu'on soit gagné là, mais même maintenant on approche qu'on va capable de faire tout le temps ici et nous souvent dit ça dans mes quoi, c'est vrai que moi-même moi mon désaccord avec lui lorsque la justice a plein de gens monde toujours en forme de pression populaire qui a passé fait sous et Bradi démarche la justice. C'est ça que je me suis dit. Je me dis, moi, ça a été accompagné. Je ne sais pas si c'est la justice qui travaille là. C'est la préfecture qui travaille là. Attendez. Laissez-moi terminer. Je ne pas entrer pour contredire l'approche ou c'est pas la justice ou pas. Même jusqu'à présent, c'est un commissaire gouvernement qui convoque yon moun. Maintenant, m'en cas d'accord et méthode violation de la loi, approche ou pas contredit. Mais cependant, forme de pression qui toujours a fait yon, il faut que ça cela cesse quelque part. Donc, si le chef va gagner rien pour le prochain, il va gagner rien pour le pain, c'est avocat de Chile Libre suffit
pour que le classe comme ça gouvernement dans Wally et qu'on a des très bons avocats par nous-mêmes pour nous montrer comme ça que lui pas dans droit la fond l'autre bagaille donc c'est pas pression monde dans la rue là au contraire ça même capable prophète il a toujours provocation bah aussi moi à force que de nous dire à chaque fois nos pays c'est gouvernement qui a violé droit citoyen yo seul pas de ça les citoyens c'est les élections seul pas de ça les c'est les élections. Donc là, vous pensez que c'est la phase ça annulée, c'est la phase ça annulée là? Bien sûr, c'est là de nous aller. C'est là de nous aller parce que ça a fait la droite du tout. Et moi, je dois la fête dans la fille qui s'y est que j'ai, la fête dans la fille qui, soi-disant, moi, qui est démocrate dans le gouvernement, la fête dans la fille qui est la communauté nationale qui là, la fête dans la fille qui est, ça t'a eu les parlements, avait dit, il y a trois pouvoirs, ça, qui c'est un seul jour d'hier. La population, bien entendu, avait dit que, il y a autorisé, un paquet qui vient de tête li, Pocnam, Flamé, Damélis, on est qui va finir procès. Et jusqu'à présent, et ma vie, là, je vous ai dit très bientôt pour montrer ça, c'est le bavin procès. Parce que même pas parler sans faire, ni faire mes documents. Donc, on est un gouvernement, c'est malfois seulement aussi, yo toléré la donne, puisque yo toléré malfois, même si mes documents sont venus montrer le côté de M. Bavin procès. D'accord, merci à vous. Merci à tous les deux, même pas pour nous dire ça. Et c'est vraiment pas une qualité pour nous définir ça. Ouf, jusqu'à 10h30, il y a un collaborateur Robert Dimanche qui te dit nous, mais tout le temps, beaucoup présent dans Caril. Je ne sais pas si on regarde pour nous, on ne sait pas si on veut c'est là, il tout à fait spécial, j'ai une chose spéciale, mais on a pas comme ça. Et puis spécial, même pas si nous avons tout le café où tu t'es parlé, tout le bain notre matin. Et je suis allé changer dans le menu là matin avec Bradi événement ça. Et docteur Chinel Ludo qui est convoqué par le commissaire gouvernement de Toumaté, et nous avons fini avec l'intérêt. Pas de problème, nous ne sommes pas tout là parce que nous avons un avocat, docteur Ludo, nous avons parlé avec M. Deras, mon Dieu seul, qui dit sale, par contre, c'est la craque belle. Oui, par exemple, Roger Millien t'a dit tout à l'heure qui dit si vous avez un mandat de dépôt pour Kembe docteur Lidor, il y a tout à aller avec lui tout. Donc il y a Kembe tout le monde ça veut dire si Kembe docteur Lidor, nous ka ouais, nous pas attendre Major Michel, nous pas attendre il y a tout été. Oui, il y a tout été. Est-ce qu'il pas d'un côté ou bien c'est Nenel Kassi qui fait connaître que le commissaire pas gain zin ça dans main. Il pas gain zin ça dans main. Donc zin pour ta Kembe docteur. Mais sauf que ça me dit ça qui permet que moi je souhaite que monsieur dame pas entrer dans une logique de provocation, OK? Et parce que nous dans un contexte on va dire assez particulier,
Donc moi-même pas connais non mais c'est la première fois que de convoquer nous pour ça il a déclaré dans la radio qui estime que c'est une situation de violence. Donc si ça qu'a fait pas gagner avec la loi, je me suis dit là me penser avocat bien les avocats très chevronnés parmi eux mettre des actions de parler là, bien mettre Arsène Joseph que vous connaissez très bon et mettre mes honneurs et André Michel encore son autre, j'avais Charles qui s'est bradé un patriarche après Medjia Goug dans la base là. Donc on pensait que il y a des très bons avocats, donc des très bons avocats pardon, donc on pensait que et mal font-ils parler avec le sénateur Nenel. Donc on pensait que monsieur Sao capable de mettre commissaire en déroute si que lui pas cadre. Alors comme le bébé de la pagaille comme le bébé de la que pas gué droit qu'a fait là, probablement c'est peut-être une raison qui a expliqué présence sous Sao comme le monde qui vient exprimer solidarité à avec le docteur Chinelbo, que en passant qu'on profite de saluer. Si d'aventure que doit pas fait, il est capable de faire un coup de force. Docteur Chinelbo, le docteur Chinelbo te dit que commissaire va gagner ça, non, mais l'élite te dit. Oui. Mais même ces débats, ils ne vont jamais affronter, c'est là où je suis avec la police. Même si vous estimez que vous n'avez pas gagné le droit de faire tel bagage, mais vous ne pouvez pas dire qu'il a exercé force, ou bien comme mettre deux à tout dire là, c'est préfet. Donc si vous si vous après faire monter notre tête donc il faut pas va les audiences mais même chose c'est pas comme ça le faire parce que non parce que le covid ne pas laisser garder des bon pas qu'on est parce que convocation était 10h30 pour matin donc 10h44 Okay. Et dimanche okay. Même nous sommes un pays dit-on démocratique, mais j'espère que le commissaire gouvernement l'a prêté dans bon droit et pour que tout le bagage passe, j'en veux passer. Moi, c'est ça que moi souhaité véritablement, parce que nous ne sommes pas capables de commissaire gouvernement et nous pas quoi que nous pourrions agir en dehors de la loi. Et parce que le pape n'a intérêt, il parle, il n'a pas intérêt du gouvernement. Georges, bon remarque. Maintenant, aller avec Georges, qui est même dit nous, côté le BA, qui évolution qui gagne, est-ce que le commissaire gouvernement, parce que nous connaissons les potes qui arrivent dans l'espace là, est-ce que le président, dans le moment où on a parlé à là, parce que c'est lui-même qui prend le temps, docteur Chila Ludor, sous déclaration que le défait, est considéré comme incitation à la violence. Georges, qui évolution qui gagne? Exactement, dans le cadre du commissaire gouvernement, il y a dirigeants politiques élus intéressés à nous les parler de l'autre chef de qui là, moi qui suis très souriant, il y a M. Axel qui arrive, il y a M. Server qui arrive. Dans le cadre, nous avons un député sénateur qui a concerté. Et tout le temps, nous avons un commissaire d'orchestre qui se passer. Et bon carrière, mais qui pas arrêté. Mais secrétariat commissaire de la Bible, porte l'arrêté fermé. Et porte bureau commissaire fermé pour le moment, ou bien jusqu'à présent, qu'a dit commissaire gouvernement pour le président, mettre tout nom, famille d'Améris, pour qu'arrive dans le bureau. Et pour le moment, qu'a dit nous, il y a gagné sécurité qui affecté avec le palais de justice qui a fait des coups d'œil en dedans. Est-ce que c'est arriver commissaire ou bien si pour limiter donc tout le monde qui va entrer dans la carrière, mais quand la carrière a commencé et gagner de l'autre monde, soit des titans ou bien des monde qui viennent garder par rapport et autant que officiel qui viennent garder comme situation. Donc, voilà, c'est faut parler avec M. Véchal pour nous demander une date de convocation pour qu'il est. M. Véchal, bonjour ou en direct sur Radio Vini. Invitation pour que je suis matin à la c'était pour qu'il est. Moi, j'étais pour 10 heures et que nous toujours en avance. C'est un peu impressionnant. Comme Mathis a bloqué, pour Michel Ravan, Mathis a bloqué de côté bloqué. Nous, on a fait un heure, docteur Pian. Pour qui ça? Non, et que c'est l'idée pour vous, et que c'est l'idée pour qu'on ait que. Un tel loisir pour le recevoir. Donc, je n'ai pas de raison pour me barrer. Il y a M. Axel Nouchlatou. M. Axel, ou non, pas pris avocat qui a accompagné le Téchiner. Invitation, c'était pour 10 heures, mais il est dans 10h45. Il est 10h45. C'est nous là. On attendait pour nous faire. Il va donner rendez-vous 10h45. On attend.
On attend votre avocat, on est pas seul. Juste maintenant, on attend. Ce qui est important, c'est que pas gain aucun manquement fait de notre côté. Il y a des gens qui disent là, 10 heures et puis n'attendent, c'est quelle que soit l'heure, ils mettent une heure et demie, ils n'appellent pas. Ils mettent une heure et demie, mais. Non, une heure et demie, hein, et que c'est limite là. Non, et puis à partir de deux, à moins que les envoyés ou messages pour nous. Mais à partir de une heure et demie, nous battons plein, nous là depuis 10 heures. Voilà, et studio, monsieur Charles qui dit, il y a patient, et Skyler et demi, Skyler Trump, tout en commissaire gouvernement pour le président. Allô, Georges. Information, et studio, mettre au clan clamé d'Amérique, mettre au clan clamé d'Amérique. Voilà, et Georges, je suis dit que le commissaire n'a pas arrivé dans le bureau. Est-ce que c'est un blocus commissaire n'a pas nous pas connaît, qui ça qui gagne, nous pas connaît, et nous pas laisser faire contact avec le commissaire pour nous capable de gagner dernière information qui gagne avec convocation ça pour matin. Et Blondine, gagne un commissaire gouvernement qui lui-même pour arriver dans l'espace li, côté matin là, il t'a dû attendre docteur Chiller Ludor. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, il vaudrait mieux que nous rététendre. J'ai ça pour moi, t'as pris, pour Denel, t'as pris, c'est dimanche. Oui, justement, nous t'as dit, il n'est pas jamais trop tard pour nous bien faire, donc l'important que c'est moun que convoqué avec batterie, avocat li, qui souvent arrivé en vent, donc il n'est pas dérangé, mais il serait bon que nous garder calme nous et nous tendre que commissaire arrive dans carrière et puis nous t'attendons et ça qui dit ou bien ça qui sorti dans convocation ça. L'important pour que nous tout net qu'on est, y compris docteur Chiller Ludor que nous saluons, que pas des personnes qui sont au-dessus de la loi, donc l'œil fait appel avec nous, dans quelques soit circonstances, nous, en bon citoyen, nous devons répondre en bonne et due forme à convocation et puis retenir qui ça cap vini après. Donc, nous ne devons vraiment affoler, ni gens que moi entendais, quelques militants, des sympathisants, nous connaissons qui très attachés avec docteur Chiller Ludor et également avec avec parti politique docteur Chiller Ludor sorti la donne. Non, mais lui, t'as de bon ton que nous garder calme et nous vraiment qui ça cap sorti après docteur Chiller expliquer à commissaire gouvernement pour éviter que gagne des bagages que nous ta cap regrette après. Donc il est important que nous calmer nous le plus possible. OK, m'a sauté chercher information là, moi je que commissaire là déjà en route. OK. Et déjà en route, moins de 5 à 10 minutes, il est supposé. Gardez pour moi si vous avez quelques détonations dans l'entourage là et bloc Matissan parce que il y a un cap si là il a dit me font zoom sur Matissan et parce que depuis hier après-midi zone là n'est pas bon du tout parce que il est tout près parquet là ou qu'a juste camper face parquet là pour garder si en ligne ça là c'est Georges qui est en ligne, c'est Georges Jean-Noël qui est fortuné malheureusement et appelle là aller, c'est fortuné qui est en ligne pour aller avec Georges ou bien dimanche ou bien Georges faire contact pour capable dire nous mais dans l'intervalle son monsieur très prudent dans zone ça. Oui, dans zone là. Non, mais écoutez, il n'y a pas trop explosé. Non, c'est dans limite et le carré de H là. Oui, et bah, là, il veut. Mais parce que là, donne tout. Oui.
Nous avons des détonations toujours.